Re-YouTube. On n'est pas dans le vaisseau. Ah non, il y a des lignes de dialogue. Cal, par ici. Tu as fait du bon travail sur Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova et les Efaux, plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas grand-chose de ces cultures. Ne regarderai pas. Je sais seulement que Cordova a été fascinée par les Efaux. Et par la puissance de leur enseignement. Moi aussi, j'étais intriguée par les mystères de notre galaxie. Tu devrais y aller. Il y a beaucoup à apprendre ici. Bonne chance. Un instant. Il y a un flou de mouvement. On va l'enlever. Voilà. Flou de mouvement, ça donne mal à la tête. Ah, il y a grise. Qu'est-ce qu'il fait là ? On a réussi. On l'a fait. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu regardes ? Mais à qui tu parles ? Là. Au vaisseau. Le Mantis. Joli nom, hein ? Ça okay. Je m'agace. Je reviens tout de suite. Donc là, nous sommes sur Zephos. La planète des protéens. Doucement. Un nouveau pancho. Alors, qu'est-ce que ça contenait ? Blue Leader. Référence à Rogue One. C'est genre tu connais. C'est verrouillé. Qu'est-ce qu'il a vu ? Ah, d'accord. Quelque chose d'utile ? Un poncho ! C'est le rebelle, ça ? Tu peux encore croire qu'il connaît. C'est un peu plus joli. Ouf. C'est fermé. Il y a tout qui est fermé. Ça fait plaisir. Lumière ? Alors j'ai vu dans la précédente vidéo que c'était vachement écrasé, du coup là c'est plus correct. Le jeu, je ne sais pas pourquoi c'était pas lancé en résolution 1080, j'ai pas compris. Fais attention. Enfin, que j'avais dit. Ils ont l'air dangereux. C'est des gros rats. Oui. Non mais scanne l'animal, c'est un Stormtrooper, on s'en fout. Cal, tu m'entends ? Les Impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux ? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Beau travail. Petite matraque. Je me doutais, j'en fais un bruit de fou. Je sors le bruit. Alors on est toujours. Lâche-moi! Mode maître Jedi. Pas grand maître, on pourra changer la difficulté si le jeu est vraiment trop facile. Oh, sans savoir. L'écho. Leur de baby. Une mère s'est servie de ça pour tenir son enfant au chaud. Il fuyait quelque chose. La lumière. Loot. J'ai jamais été aussi heureux de voir une caisse. C'est pour un steam de plus. Ça marche. Merci BD. Déjà un nouveau steam, c'est fou.
Luke est quand même très très généreux. Du coup, on a rien à faire ici. Alors, donc je fais ça, paf, paf. Ok. Il y a vraiment rien ici. Je trouve les environnements pas très bien inspirés, je trouve. Bonjour. Regardez, j'ai un sabre laser, je suis un Jedi. Il a eu un des nôtres. Je l'ai vu. Oh. Il est bien mort. Bah, c'est mal. Tu peux m'aider? Comme neuf. Je ne s'ouvre pas. Nouveau poncho. Oh, ok. Qu'est-ce que c'est? Devoir et volonté. Okay. Je vais aller voir. Ah, ça grimpe pas. D'accord. Un double saut aussi, j'imagine. Ok. Ah, il préfère tabasser les rats. Bon, je comprends. Shot, très bien. Oh, on a un point. On a vu l'expulsion. Ce ne sont que des mensonges. En effet. L'enfer voulait seulement ses terres. Pas payer ses factures. Je réflexe. Bien joué. C'est vraiment pas prêt. Tomber sur lui. Ça se passe bien de ton côté, BD1? Pipou. Pars avec elle. Je vais les éloigner. Deux points. Non. Ah, il y a une porte là. Comment on y va? Aussi une porte, mais c'est pas. La BD. Il y avait des choses. Ah, du loot. Ah, c'était une teinturerie. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Pas très grand les bassins. Il est de
changer la couleur. On a deux niveaux. Ralentissement amélioré. Ça me la force. On va peut-être faire ça. Ah, il me faut maintenir. Améliorer notre posture. Ça, c'est le raccourci. Ouais, voilà. C'est la porte qui est ici. C'est peut-être un peu trop facile de les détruire. C'est juste d'appuyer au bon moment et puis voilà. Mais bon, c'est dans le lore. J'ai pas ça. Comment ça, il s'est pris un filac? C'est quoi un filac? Reviens là. Alors, qu'est-ce que ça contenait? Oh! Les belles poses de princesse. Lui, il est en train de faire une petite retournette ou une bicyclette. Et lui, il fait un triple axel. Sinon, qu'il a pas prêté attention. Ses collègues sont morts. J'ai pas encore le pouvoir de d'attirer les choses. Qu'est-ce que c'est? C'est juste temps d'activer l'ATP. Je suis même pas sûr qu'on puisse se TP. Toujours aux endroits où il faut pas. Ça remouille. Mon ami, au cours des rotations depuis que j'ai quitté Bogano, j'en ai appris plus sur les effaux que je ne l'aurais cru possible. Encore? Mais non. Tout ça pour ça? On est où exactement? Ok. Se casser la fille là-dessus par contre. Oh, tout. C'est...
viens là. Alors, qu'est-ce que ça contenait? Pipoupi, poupili, poupi. C'est quand qu'on aura un deuxième sabre laser? On se l'appétit. Au revoir. C'est joli, mais je sais pas. Il manque un truc. J'ai vu. Tu finiras par baisser ta garde. Après, l'univers Star Wars, c'est pas mon délire. Hein. Je peux comprendre que. Les gens kiffent. Y'a pas de soucis. Hein. Genre Mika. Le jeu, il adore. Je crois qu'on a un problème. Bonjour. Quoi, ce bouquetin des Pyrénées? BD1. Ah, c'est parce qu'on l'a pas respecté. Et du comment ça, je suis une espèce éteinte? On m'a éteint la gueule. Ah ça, on peut s'agripper sur ces trucs là, non? Est-ce qu'on peut descendre? J'ai l'impression. Parce qu'en théorie, cette texture là sur... C'est agrippable, il me semble. Bon, attention au bouquetin. Le râteau qui meurt. Non. Arrête. On met une couche à chaque fois. Oh, vous faites en réaction. Elle vient de prendre une petite baffe. Mais j'ai esquivé. Oh. Il est mort parce que je lui ai coupé la corde. Ah c'est un filac. Mais comment ça il lui a pété la fille? C'est quoi ça? Vite! Vite! Un sim! J'arrive pas à le toucher! On s'occupe de lui, hein! C'est pas possible! Je gère! Ok, ouais, tu m'étonnes, tu gères! Ah, ouais, très... Est-ce qu'une promo? Ça ne s'ouvre pas. Ok, ils ont des RPG 7 maintenant. Ça passe. Ok, on a été très très peur. Comment je monte là-haut, moi? Parfait. Non, je fais la même erreur. Mais accroche-toi! Mais je fais la même chose.
Aide-moi, BD1. C'est exprès ou c'est nul? Ça fait du bien. Voilà. Alors, comment on monte là-haut? Pas de niveau. On aurait pu méditer, mais je suis conscient. Hein? Ah, oh, il y a un truc là. Ça ne bouge pas. Oh, il y a un T-Fighter qui vient de passer. Mon X-Wing, je sais pas. Je sais rien. Ok. Mais non. Ok, c'est peut-être pas pour tout de suite. À moins que j'ai un timing de fou. Si je pouvais ne pas crever. Oh, c'est quoi? Les Stormtroopers ont déplacé cette caisse. Quelque chose les préoccupait. Ils avaient hâte de trouver des reliques. Secret, secret. Ah, c'était juste ça. On va peut-être méditer un petit coup. Des défauts. Je crois qu'on est sur la bonne voie, Bébé. C'est aussi grand que ça? Attrapez-le! Zut. Continuez à faire pression! Écartez-vous! Ils font plusieurs tirs. Oh. D'accord? Il mène où? Ah, c'était là, ok. Ok, ok, ok. On a toujours ce truc là qu'on peut pas pousser. Une porte fermée là. Ok. Il y a juste une spalière du coup. Mais. Il vient de disparaître sous nos yeux. Hop. J'ai le succès. J'ai le succès. Ils sont tous morts. Ça marche pas. Film, vite. Ça ne marche pas. J'imagine qu'il faudra un autre pouvoir. Sabre laser. Peut-être le machin pour repousser. Bégaye. Pense à sa femme et à son enfant qu'il veut retrouver. Où il est stressé. Il veut rentrer à la maison vivant. On a un intrus ici. Ah,
Je vais te vaincre, Jedi. Il est temps d'en finir. Ok. Oh, le chien peut scanner. On va s'occuper de notre premier père de famille. Ah, ça marche pas. Tu t'en sortiras pas. Comment t'arrives à faire ça? Un sabre laser. Je crois. Salaud. C'est vrai qu'on n'avait pas fouillé tout ce qu'il y avait là. Ça, ça s'ouvre. On n'a pas le pouvoir. Allez, en route, BD1. Un point de compétence. Ah, du coup, pas le choix. On n'a pas le choix. Dans la grotte. Comment il court ? Tiré, un vaisseau de transport quitte la base de l'Empire. Je sais, il transporte les artefacts Zepho sur Coruscant. Ça veut dire que... Que l'Empereur s'intéresse aux Zepho ? Peut-être. La joie a été blessée, mais il a eu un Stormtrooper. Bien joué. Qu'est-ce qu'on fiche encore ici? Y'a rien à voir sur cette planète. Il doit y avoir des artefacts anciens, des trucs comme ça. On ne va pas creuser pour rien. Ah, oh, qui s'intéresse les pierres et la poterie? Ça me dit quoi? Apparemment, ça intéresse l'Empire. Ah. On serait pas là. Oh, là. Pas réparé. Du coup, j'allais où? Là? J'ai rien vu. Ça. Bonjour. Myriana, veille sur notre Sienna. Ça, il était gentil, il m'a laissé le temps de looter. Qu'est-ce qu'il a? Non, rien à faire. Pour l'instant. Là, y a un truc. En effet. Tu sortiras pas vivant d'ici, Jedi. Je prêterai ta garde. Tu mourras pas. Ah, ça dégage. Forcément, un truc qu'on a pas vu. Non. Pourquoi je peux pas le scanner? J'ai hâte de les voir pousser. Fleuzy Royal. Non mais les noms ils sont... Ils ont trouvé comment? Je pense qu'ils ont demandé vraiment à un enfant. Comment t'appellerais cette plante? Comment t'appellerais cet animal? Et voilà. Doucement. Alors, qu'est-ce que ça contenait? Et tu t'en balances et nous balançons.
saloperie. Il m'en faut un. On dégage. Ah voilà, lui je peux scanner. Quel est ce Pokémon? Ils ont rien pour allumer la lumière ou quoi? Ils sont farouches et dangereux. Mince, un tir entre les yeux et on n'en parle plus. Ça peut marcher, sauf si tu le rates. Je rate jamais. Conformément à la volonté de l'empereur, nous avons envahi Zepho et recruté la population. La planète n'a révélé aucune donnée ni relique utile au projet Foreuse. Les courants électromagnétiques ont rendu inutilisable la majorité de nos outils de forage. Pendant ce temps, de plus en plus de soldats sont victimes de la faune locale. Nous ne pourrons pas accomplir notre mission ici. Je suggère que nous abandonnions le projet en ne laissant qu'un avant-poste symbolique afin d'empêcher les pilleurs de s'emparer de nos technologies. Très bien, mais s'en fout un peu, non? Hey, vous avez vu ça? T'es tout seul, mec. Ah non. Il bloque nos attaques. Perspicacité. On l'a presque tué. À l'attaque. Allez, Jedi, affronte-moi. Vas-y, vite. Oh, d'accord. Oh, il y avait quelque chose là-dedans. Mais ça, c'est le lieu de travail des centres. Ah, c'est vite fait dangereux quand même. Mais pourquoi faire? J'ai un bruit de fou. Je suis quasiment sûr que l'efficacité, enfin, l'utilité de ces choses, c'est discutable. Comment ça? D'accord. Comment ça, ils ont repéré ma position? Par contre, faut que je retourne en arrière vu qu'il y avait un truc à récupérer, un écho. Qui se trouve, ma foi, je ne sais pas. Est-ce qu'il était? Viens, je vais pas arriver. Oui, je me balance. Oh, sans doute pas. D'où est-ce que tu sors? J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est pas le moment de foncer. Ouvre le feu sur la cible. Dépêchez-vous de le tuer. Tirez. Ça s'est très très bien passé. Oh, ok. Qu'est-ce que c'est, Bélien?
contre. Star Wars 64. Quelque chose. Que savent-ils? Pas un mot sur Cordova. L'Empire ignore sûrement qu'il est venu ici. Dans ce cas, nous avons l'avantage. Pour l'instant. Qu'avons-nous là? Tiens, 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 tiens. Que les Stormtroopers font ça tranquillement. Ah oui, ouais, c'est la lumière. La maison. T'as vu là-dedans? On peut pas passer. Il y a une tempête droit devant. On dirait qu'elle a déréglé l'équipement de l'Empire. Je sens quelque chose qui m'appelle, au-delà de la tempête. Ça va être le bouquetin. Ah, 2 points de compétence, allez, ça commence. C'est quoi ça? Coup de pied évasif. Frappe sprintée, ça peut être pas mal. Suis cet appel. Laisse la force aiguiser tes instincts. D'accord. Je vais essayer. Bam! En voilà une autre. Elles sont peut-être reliées. Peut-être, peut-être. On trouve des choses. Ok. Ok, moi j'ai vu m'attaquer. J'ai besoin d'aide. C'est mieux. Encore un truc comme ça. Quelque chose, BD1? Mais ça, c'est purement cosmétique, donc c'est un peu dommage quand même. Ça aurait été sympa que ça améliore un peu le sabre laser. Ce n'est pas le cas. Oh, il sneak entre eux. C'est par où par contre? Qu'avons-nous par là? J'avais jamais vu une telle tempête avant. J'ai 20 000 choses là. Ouais, c'est incroyable. Pas forcément. Ah ouais. Même ça, je peux l'arrêter. Trop fort. Mon ami, je pense qu'il s'agit là du site Zepho le plus ancien que j'ai vu.
En dépit de mes réserves, je ne peux chasser le sanctuaire de Bogano de mon esprit. Ces visions ont façonné le destin de toute une civilisation. Je veux comprendre pourquoi. Je pas. Et donc ? Je vais descendre. Je crois que c'est arrêté. Je suis dans le tombeau. C'est immense. Et les impériaux ? Aucun signe d'eux ici. Et pour Cordova ? Je peux pousser ou pas ? Je sais pas ce que je suis censé trouver. C'est plutôt... Mais les pousses ! À qui le dis-tu ? Il ne nous aurait pas conduits jusqu'ici pour s'amuser. Garde l'esprit ouvert. J'ouvre mes chakras. Par contre, je ne connais pas la force pour pousser les objets. Ah bah là. Est-ce que t'as vu ça? Oh. Je suis blessé. Ok. Chargement déguisé. Skungus. Ah, fallait sauter. Dessus. Il n'y a que ça dans le jeu. Formidable. Steam. Envoie. Que numéro 64. Steam, vite. C'est combien? Il n'y a pas que le vent qui souffle dans ces carillons. Il y a des voix du passé. Il faut l'éteindre. Centré. Ok, très stylé. Oh, et là, on aura la force. Pas du tout. Pour la force à laquelle je pensais. Il formait des utilisateurs de la force. Ah, c'est un secret, ça? C'était pas obligatoire ?
C'est vrai qu'il faut faire ceci. Il est trop loin. Ah, fait juste une impulsion, bordel. Elle est pas claire. On va aller faire ça. Très bien ça. Encore un coup qu'à pas vous sortir. Cette chose. Gardien du tombeau. Ok, donc on peut jouer au pachinko ici, j'ai l'impression. On va jouer avec les boules. Ils ont joué Mario 64 il y a 25 ans, ils s'en sont pas remis. Ah, un peu fort le vent. La physique. Un peu fort.
Mais pas. Quel sens le vent soufflait ? Tu veux bien me soigner ? Que tu veux. Ok. Petit arbre de comp. On peut se prendre ça. Oh, le petit châssis. Du coup, c'est des... méditer en fait. Non, se reposer. Environnement pour le KT. Ça le démolir d'une certaine manière. Ça n'a pas de sens. C'est un vent de fou. C'est limite dangereux. Ça, j'ai pas le droit. Qu'est-ce que c'est ? Ah non. Une boule ? Là, j'aurais le droit de péter des trucs. Un traumatisme, attention. Mais... Ça prend plein la gueule.
Jedi ne cherche pas la violence, mais à se dresser contre elle. La force ah ouais est là pour nous protéger. Les obstacles sur la voie définissent. C'est quand même assez violent, les Jedi. Ce qui est sur ton chemin dessine ton chemin. Bien. Allez, réessaye. Ça marche pas, maître. Ça marche pas, maître. Ok, c'est pas la bonne touche. Utilise la force. Mais j'essaye, mais il est nul. Voilà, c'est encore le problème de l'animation entre temps. Bien, continue. Ok, moi je veux bien. Allez, plus vite, termine le test. Ce qui est sur ton chemin, dessine ton chemin. C'est, on a enfin la poussée. En ralenti, sans pouce. Mon ami admire un peu les détails de cette écorce. Ces stries si distinctives, ça ne peut être qu'un arbre Vrochir de Kashyyyk. L'heure est venue de contacter un vieil ami. Si les Zephos étaient liés à Kashyyyk, il y a de fortes chances pour que le chef Darfoul soit au courant de tout ceci. Darfoula ? Dans le prochain épisode.